Et eh bien bonjour à, 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 à tous et à toutes et à tous, c'est Famichaud. On se retrouve pour une vidéo sur WWE Spokane pour la suite des infos les mies, des, de la saison 10 de WWE Spokane qui sortira demain. Demain soir. Demain soir. on va où Aïe, au forgeage de cartes. Je ne pas avoir nommé ici un artiste de la pour lui donner un peu de punch credit forging et c'est un système euh, auquel vous, vous, vous grâce auquel vous pouvez générer deux ou forger des cartes correspondant à la rareté de votre joueur euh, et un fire euh, et celle-ci à l'aide de cristaux de forgage. votre notre objectif et avec forging et de doubler votre notre objectif avec Forging est de doubler votre capacité à prendre des décisions délibérées et intentionnelles lors de la construction de votre deck. Voici comment ça fonctionne. Lui votre cartable de cartes, vous pouvez activer une bascule Forge. Vous pouvez faire sélectionner une liste de toutes les cartes Forgeables. En chaque rareté respective s'affichera. Vous pourrez ensuite sélectionner les cartes que vous souhaitez. Forger, si vous disposez des ingrédients appropriés, vous pourrez carrément immédiatement classifier une copie de la carte. Aucune attente requise, bien que vous ne puissiez pas forger les cartes en édition spéciale, en édition limitée, de plusieurs mois au, au, au développement. Toutes les cartes de base de chaque rareté non hérité seront euh, forgeables. Voilà. Trouver les bons ingrédients sera crucial pour forger les cartes de spécifiques pour votre collection. Plus précisément, vous rechercherez des cristaux de forge et des super pièces. Si, si la carte que vous cherchez à forger vient de faire rater votre, votre joueur, vous n'aurez peut-être besoin que de super coins et, ou d'une poignée de cristaux à for, de forge. Pour faire le travail à mesure que vous vous rapprochez de la création de cartes correspondant à votre arte de joueur les coûts augmenteront entre les cartes de même rareté auront le même au coût de forge sauf si vous possédez déjà une copie de la carte lorsque vous forgerez votre deuxième version de la carte d'une carte vous aurez besoin d'un petit plus pour vous aider à créer une carte pro des cristaux de forge professionnels. Sont des, sont des versions plus rares, des cristaux de forge classiques et sont des distribués néanmoins un peu plus sélective, un peu plus sélective. Néanmoins, on sait que vos cristaux pour forging, euh, euh, pour la bonne opportunité, pourraient vraiment vous aider à traverser un bourrage. Euh, lorsque vous créez des versions supplémentaires d'une carte, vous aurez besoin du coup d'origine de la forge ainsi que d'un cristal de forge professionnel pour y arriver. à utiliser la bonne mission Comme nous l'avons mentionné précédemment, je vais, vais vous essayer de campagne le moyen le plus fiable de trouver des cristaux de forge. La plupart des étapes que nous donnerons des cristaux de forge normaux et chaque étape de boss elle sera pour un cristal de forge professionnel. Nous avons euh, conçu le mode campagne et le forgeage pour pour aller de pair. Une fois que vous aurez progressé un peu en mode campagne, vous devriez disposer d'une réserve pratique de for de cristaux de forge en réserve lorsque vous recevrez le blo bloc. Une fois que cela se produit, réfléchissez y, réfléchissez -y et forgez les cartes qui vous permettront à vous décoller. Continuez à avancer dans le mode campagne. Continuez à collecter les cristaux de campagne, de forgeage. Continuez à avancer. Nous sommes plus loin de la 10. Maintenant, il est super. Voilà. Bon, voilà. C'était juste pour la suite et fin des infos de la nouvelle saison de, de qui commence dès demain, la saison 10. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à, euh, à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite tous, de passer une très très bonne journée. Et à la prochaine